Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Le choc est toujours palpable au Maroc, près de deux jours après ce séisme dévastateur. Le plus récent bilan fait état de plus de 2000 morts et il risque de s'alourdir. Le temps file et les heures deviennent de plus en plus critiques. Marc-Antoine, les secouristes accélèrent les recherches pour tenter de retrouver le plus de survivants. Oui, voilà Véronique, parce que le temps presse, vous l'avez dit, principalement dans la région d'Al-Haouz. Donc, on se trouve dans le centre du Maroc. C'est là où l'épicentre d'un séisme d'une magnitude de 6,8 a touché terre dans la nuit de vendredi à samedi. Et on fait état d'un bilan aujourd'hui qui est extrêmement lourd. On parle de plus de 2000 morts également, plus de 2000 blessés. Il n'a pas été mis à jour depuis hier soir. Évidemment, ce sera d'ici les prochaines heures. De ces 2000 blessés, on parle de 1400 qui se retrouvent dans un état très grave en ce moment. Vous connaissez certainement la ville de Marrakech. Bien, elle aussi a été violemment touchée également vendredi. Elle est connue principalement pour son aspect touristique, là où un important contingent canadien sont là-bas finalement. Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, s'est fait rassurante sur nos ondes, mentionne que 4800 personnes se sont inscrites à l'ambassade canadienne au Maroc et qu'ils n'ont pas déclaré de morts ou de blessés canadiens jusqu'à maintenant. C'est la bonne nouvelle. Sur ces images évidemment catastrophiques où des villes ont été complètement détruites, on s'est entretenu avec un Marocain qui, lui, habite ici à Montréal, mais dont sa famille habite au Maroc, nous raconte son récit. Écoutons-le. Mes parents sont vivants. Merci Dieu. Mes grands-pères aussi et mes deux sœurs. Mais le reste, comme mes tantes, mes oncles, c'est comme ils sont morts. J'ai reçu maintenant, je viens de recevoir un texte de ma sœur qui me dit que maintenant on a perdu comme 20 personnes de famille. Il m'a dit en marchant, il m'a raconté, c'est vraiment, il y a l'odeur des morts, des cadavres, ça commence déjà parce qu'il y a de la chaleur. Parfois, elle m'a dit, elle rencontre des gens qui sont encore sous le choc. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Que c'est triste. Et Marc-Antoine, l'aide internationale commence à s'organiser. Oui, bien, tout d'abord, il y a l'armée marocaine, évidemment, qui déploie d'importantes ressources sur le terrain. Et il y a cet élan de solidarité internationale. Plusieurs pays qui offrent leur aide, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne également. Il y a même l'Algérie, où ses relations avec son voisin, le Maroc, ont été rompues depuis 2021. Eh bien, hier, ils ont annoncé la réouverture de l'espace aérien. Il y a également une équipe de secouristes, là, 56 de l'Espagne, qui ont été envoyés au Maroc. Je vais vous laisser entendre la ministre des Affaires étrangères, également un représentant de la Croix-Rouge. On est en contact non seulement avec le gouvernement marocain, mais on est aussi en contact avec la Croix-Rouge et aussi avec les différentes organisations de l'ONU qui tentent de comprendre les besoins sur le terrain. On attend toujours une demande du gouvernement marocain, mais sachez que dès que cette demande sera arrivée, nous serons prêts aux côtés des pays européens aussi et des Américains qui vont porter de l'aide au peuple marocain. On sait que l'aide sera requise dans les mois, si ce n'est pas les années à venir, pour permettre aux gens de se remettre de cette terrible catastrophe. Un très grand nombre de personnes vont se retrouver sans maison. Alors, pour l'instant, service de premiers soins, service d'urgence. C'est le séisme le plus meurtrier qu'a connu le Maroc depuis 1960. Il ne faut pas être surpris là, si le bilan continue de grimper d'ici les prochaines heures, Véronique. Oui, effectivement, et on va suivre ça sur LCN. Merci, Marc-Antoine. À tantôt.